Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Bien. Aujourd'hui je suis là pour ouvrir des alchimols de la saison 3. Il y en a 100 à collectionner. Voilà. C'est les jumeaux. Je vais déjà retirer le truc. On va ouvrir le papier. Il y en a 10 à ouvrir, comme vous le savez. Hop. Voilà. Ah. Il y a le... Ah, il me semblait bien qu'il y avait un autre papier. Le petit flyer qui est comme ceci. Qui n'est pas toujours le même. Voilà, ici c'est avec toutes les petites alchimoles. Et puis, on connaît, comme d'habitude, les raretés. Ça ne change pas. Les régions où on les trouve. Les communs, les rares et les ultra rares, les jumeaux. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Puis il y a les éditions spéciales qui sont ici. Voilà. Du coup, on va s'ouvrir tout ça. J'ai une boîte de 12. Comme toujours, il y en a deux. Je vais la mettre de côté. Il y en a deux qui sont apparents. Je mets ça à côté. On va commencer par celui-ci. C'est un petit chat vert qui est très beau aussi. Ses petites taches, c'est un commun. Voilà, on le met juste là. Alors, ceci, c'est un petit lézard bleu qui est beau, transparent, qui est magnifique, que je mets sur le côté aussi. Le petit, oh. Il tient pas, mais tant pis. Du coup, voici les œufs. Si vous voyez bien, il y a les taches de couleur dessus. Du coup, on sait savoir plus ou moins, enfin, on sait savoir de quelle région ils sont. Alors, on frotte toujours le petit œuf. Normalement, il change de couleur, mais des fois, ça ne veut pas. Du coup, vous appuyez fort et on ouvre ce petit œuf. Et on commence avec une super de la, on a super de la chance. C'est un petit lapin en peau de pêche. Et c'est une édition illimitée. Oh, il est trop magnifique. J'ai trop de chance. On commence avec une superbe ouverture. Alors, on commence avec une autre. Hop, on frotte. Aujourd'hui, ils veulent... Pourtant, avec cette chaleur, ils ne veulent pas du tout ouvrir. On appuie fort. Hop, et c'est un petit lapin avec un oreille sur le côté et l'autre levé. Très trop mignon. Et c'est un commun. Je vous montre un petit peu les détails, comme d'habitude. Voilà. On le met à côté de ses jumeaux, de ses frères. Hop, j'ai failli faire tomber ma boîte d'œufs. Voilà, on continue avec... Le troisième. Hop, on ouvre. Hop. Oh, il est très mignon aussi celui-ci. C'est un petit... Je ne sais pas quoi. Dites-moi en commentaire si vous savez. Et c'est un commun. Très mignon. Très, très, très mignon. Voilà. Alors, on ouvre le quatrième petit œuf. Faut appuyer fort. Oh, j'ai du mal aujourd'hui à les ouvrir. Ah, d'accord, je comprends. Je suis désolée, mais en fait, celui-ci, c'est doit être des jumeaux. Du coup, ils sont plus durs à ouvrir. Voilà, c'est ça. C'est des jumeaux. Je vous les montre un par un. C'est un hippopotame. Ah, un hippopotame. Non, c'est pas un hippopotame. Ah, oh, aidez-moi là. C'est un rare. Voilà. Je le mettrai là. Et voilà son jumeau. Un hippopotame. Voilà, ça me revient. Il lui fait un clin d'œil.
Ils font toujours un truc différent. C'est ça qui est chouette. Allez, on ouvre le cinquième œuf. Des fois, comme ils sont deux dedans l'œuf, ils sont plus hauts. Du coup, on a plus de mal à ouvrir. Il y a moins de place, quoi. Voilà. Alors, on s'ouvre celui-ci. Hop. Qui est un petit écureuil, je suppose. Et c'est un rare. C'est un rare. Non, c'est un ultra rare. Ultra rare. Je me trompe. Un ultra rare. Qui est aussi très mime. Bon, qui a pas l'air de très tenir. C'est bon. Voilà, si, tiens. Voilà. Allez, on s'ouvre le 6e œuf. Il y en a plus fort. Bon, ceci, c'est pas les jumeaux. Il est facile à ouvrir. Hop. Mais il veut pas sortir quand même. J'en mets pas et tout. C'est pas grave, on nettoie après. Bon, tu vas sortir, petit, je sais pas quoi. Oh, il est très mignon aussi celui-ci. Très 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 mignon. Qui passe la langue, qui est trop beau. Et c'est un commun. Je ne l'ai pas encore eu celui-ci. Je le trouve trop mignon. Trop mignon. La langue qui passe, un clin d'œil. J'aime bien, il change un petit peu les... Allez, on s'ouvre. Je ne sais plus où j'en suis. C'est pas grave. On les ouvre quand même. On est presque à la fin, ça c'est sûr. Oh. Oh oui. Ce que je l'aurais bien voulu. Le petit lézard sur son surf. Et c'est un rare. Et en plus, il est tout transparent. Il est très mignon. Il est trop mignon. J'espère qu'il est dans la vue. Hop. Allez. Hop. On s'ouvre. On appuie. Oh, celui-ci est aussi trop mignon. Je sais pas c'est quoi. Un petit oiseau. Et c'est un ultra rare. Il est très mignon. Avec ses ailes mauves. Il est trop, trop chou. Je le trouve trop chou. Hop. Allez, c'est l'avant-dernier œuf. Oh, j'ai failli casser mon ongle. Regardez comme la ronge. Ça arrive en ouvrant les œufs. Quand on a des longs ongles. Et puis, ils sont pas toujours faciles à ouvrir. Et en plus, il s'enfuit. C'est un petit âne. C'est un commun, il est très beau aussi, il passe la langue avec ses pattes roses. Voilà, comme il est, comme ceci, il fait un clin d'œil. Clin d'œil. Voilà. On va le mettre de ce côté-ci. Voilà. Et le dernier. On appuie. Oh, 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 regardez ce que je vois. Ça a l'air d'être des jumeaux. Oui, c'est des jumeaux. J'en mets partout des petits. Et c'est des petits chevaux. Il y en a un rose, il y en a un bleu. Et c'est des... Et c'est des rares. Mais trop mignon. Trop mignon. Je les avais pas, ceux-ci. Mais je les trouve trop canon. Voici. Et voilà, j'espère que vous les voyez tous bien. Dites-moi en commentaire lequel vous a plu le plus. Moi, bien sûr, c'est celui en peau de pêche. Et les deux petits chevaux, là. Et puis, j'aime bien le petit lézard qui est ici. Avec sa surf. Voilà, je vous dis, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un pouce bleu. Et je vous dis, ciao, à la prochaine tout le monde.